Bonsoir à tous, bonsoir les amis, bienvenue dans ce cours gratuit. Comme vous le voyez, le thème aujourd'hui, c'est le blues. Bonsoir à tous, je dis déjà bonsoir à tous les copains qui sont présents dans le chat. Coucou Thomas A, Roro Boubou, hello Anthony Schreidriff, Mr. Bulldozer Ben, Frank Ashes, Fred Burst, Gaëtan, Avelian Erwan, Mehdi, comment ça va Mehdi? Ça va tranquille. Mister Didier Sorbi, Cédric Fitaman. J'ai vu aussi Nico Siaka, mon Laurent Duroc, les micros Epcats qui sont présents ici avec Sully. Et je joue encore cette Charvel qui est modifiée en Epcat. Voilà, je vais en parler dans un instant. Ça sonne blues ce soir, hein. ça sent un petit peu la tierce mineure, ça sent un petit peu la blue note. Vous n'avez pas l'impression que ça va sentir un petit peu le bon gros blues mineur à l'ancienne, les amis. Coucou Nelly, salut Christophe Stem, alias Watanabe, voilà. Coucou Max, comment est-ce que vous allez? Voilà, j'espère que ça va bien. Coucou Samuel Forry, que j'appelle un petit peu Mr. Maiden, voilà. Parce que je trouve que tu es Mr. Maiden. Laurent Maurice, Echo Charlie, j'ai vu que tu m'avais envoyé un mail, Echo, un message, comme je préparais le live. Eh bien, j'ai pas eu le temps de répondre. Coucou Alex de Grutola, comment ça va les copains? J'en ai vu pour certains d'entre vous, certains hier soir, lors de la première diffusion de Flashlight. Je vous remercie de votre présence. Pour certains d'entre vous, sachez que l'album est toujours disponible en replay, hein, dans la vidéo d'hier. Voilà. Eh bien, bienvenue dans ce cours un petit peu sur le blues, voilà, avec quelques petites astuces expressives et des exercices, voilà, totalement gratuits aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'espère que ça va vous plaire à tous. Il est totalement ouvert à tout le monde. Salut Manix, coucou Joe Guillaume, Jesse Fritz, Romuald Robin. Bonsoir Maxence, n'est-ce pas? Salut Emmanuel Dudray, Nico Milone. Bref, bienvenue à tous. Prenez un petit moment tranquillou, en mode blues ce soir. Voilà, pas de brutalité, pas de métal, pas de trucs qui tâchent et qui va vite. Aujourd'hui, un petit peu de blues avec des licks, voilà, des phrases, des astuces expressives, on va en parler. Je vais prétendre un petit peu vous montrer quelques petites choses véritablement accessibles, voilà. Je vais pas forcément dire que le niveau est entre guillemets débutant aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de facile dans le blues. La moindre note doit absolument sonner. Voilà, le blues, tout le monde peut l'avoir, c'est pas qu'une histoire de lenteur, c'est pas qu'une histoire de vitesse, c'est une histoire de sentiment, voilà, je vais dire un petit peu le feeling, mais c'est un mot qui est véritablement dévoyé un petit peu partout, à gauche, à droite. Ceux qui aiment bien dire, par exemple, « Oh, toi, tu joues vite, tu n'as pas de feeling », ça n'a absolument aucun sens, voilà, c'est totalement idiot. C'est réduire le discours guitaristique à une rapidité, c'est totalement débile. Donc, j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui, les copains, voilà. Je vire, bim, la petite affiche, voilà, pour vous montrer aussi, eh bien, sur quel matériel je vais jouer ce soir. Eh bien, sachez que même si on est en mode blues, eh bien, je vais quand même utiliser ma MK3 de chez LNA. Voilà, LNA Guitar FX, donc mes deux pédales LNA avec la MK3 Patrick Ronda. Vous voyez que le gain est à zéro. Je vais essayer de faire tenir ça debout et vous montrer que là, quand j'augmente à la moitié, il n'y a pas plus de souffle, hein, mais j'ai plus de gain, bien sûr. Et que quand je mets le gain à zéro absolu, on a quand même toujours du son. Et cette pédale est juste mortelle pour blueser, si vous voulez avoir une polyvalence absolument démente avec cette MK3 LNA. Et j'ai mon delay. Voilà, sans mon delay. Et là, hop. Mmh.
Voilà, qui est réglé hein, sur le tempo du backing track d'aujourd'hui. Et bien entendu, j'ai ma Charvel avec les Full Buckers, voilà, de Epcat Pickups, qui sont des micros faits à la main en France. Donc voilà, ça sonne l'enfer absolu. Et je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir, les copains, pour vous faire un petit peu travailler des phrases que j'espère sympathiques aujourd'hui. Donc, eh bien, bon cours à tous. Sachez que vous pouvez télécharger, comme d'habitude, le contenu dont on va parler ce soir sur mon site. Voilà. Eh bien, sur neogeofanatique.fr, vous allez dans la rubrique téléchargement et vous téléchargez la première ligne, celle qui a marqué New Pack Blues 1. Parce qu'il y aura d'autres cours sur le blues, parce qu'il y aura d'autres cours sur le tapping, sur tout plein de choses. J'ai envie d'exploser la pédagogie en live sur le channel. Voilà, je vous le dis très clairement, que ce soit pour les membres ou que ce soit gratuit. J'avoue qu'en ce moment, j'ai une dalle de pédago qui est absolument démentielle. bonsoir, Brakmar. Salut, copain, est-ce que ma Hate Crew, là? Sati, Romain. Sati, Hate Crew, ici, c'est le guitariste de Spitfire, bitches. Donc, comment est-ce qu'il va, copain, depuis hier? Salut, Fred, qui dit qu'il est en retard. Il n'y a absolument aucun souci à être en retard, les amis, puisque le cours est, comme d'habitude, disponible en replay. Voilà, comme d'hab, il n'y a aucun stress à avoir. Donc, allez télécharger, voilà, dans la rubrique téléchargement de mon site, le petit pack, voilà, dont on va parler aujourd'hui. Vous voyez, il y a la petite inscription New et vous pouvez télécharger en cliquant sur télécharger. C'est bien simple, hein, dans la petite, au bout de la petite ligne, voilà, sur le site. Brizzly Adams qui m'a bien fait rire hier avec les multiphrases, hein, comme j'ai envie de les appeler vis-à-vis de la pop culture 80s. C'était très 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 drôle. Voilà, donc bienvenue à tous. Voilà. Hop. Alors sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez un petit peu soutenir, comme d'habitude, hein, les cours gratuits avec un petit don. Voilà, si vous avez un bal ou deux qui traînent, n'hésitez pas tout simplement cliquer soit sur le lien dans la description, soit flasher le code. Je pense avoir mis le lien PayPal, oui, dans la description. Je pense pas m'être trompé ni l'avoir oublié. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez, voilà. Vous pouvez soit flasher ce code que je mets en géant ici, mais qui restera toujours un petit peu discrètement au coin de l'écran, soit cliquer sur le lien de la description. Voilà, je pense. Je vais quand même confirmer, je vais regarder. Oui, il est bien présent dans la description. Donc, si l'envie vous en dit, c'est avec grand plaisir. Et si vous n'avez ni les moyens, ni envie, eh bien, bienvenue et profitez bien du cours. C'est avec grand plaisir que je le passe avec vous, les amis. Alors, on va arrêter un petit peu la musique de fond et on va expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je suppose que vous avez tous téléchargé le pack. Voilà, je vous remets l'information. Hein. Rubrique téléchargement de mon site neogeofanatique.fr. Voilà. J'espère que vous l'avez fait. Il y a Romuald Robin qui dit « Le son est top, mais perso, l'image n'est pas nette. » il me semble que l'image est plutôt pas mal. Vous trouvez que l'image est pas bien, les gars? Dites-moi, parce que là, du coup, je peux peut-être configurer la vidéo en direct et mettre un petit peu plus de netteté. Vous voulez un peu plus de netteté? Allez, je vais mettre un peu plus de netteté. Est-ce que, là, ça vous paraît pas mal? C'est un peu plus net, l'image? Bon, j'ai mis un peu plus de netteté, on va voir si ça s'améliore, je ne sais pas. Bon, vous dites que c'est impeccable. Ah, pas net, un peu trop de lumière. Oui, mais alors la lumière, c'est un petit peu compliqué, parce que pour avoir une lumière normale, moi, comme j'ai la balance des blancs au niveau de la tête, je suis désolé, je peux pas faire autrement. Voilà, je suis désolé. Ton crâne brille comme jamais, me dit Mestema. Et encore, t'as pas vu mon casque. Bon. Donc voilà, vous avez téléchargé. Allez, on dit que c'est bien. Hein. Alors, le pack est dans le bac, dit Echo Charlie.
Voilà, parfait. C'était mieux avant, trop de contraste, maintenant ça flash. Ah, mais alors? On va finir par y arriver à régler ça. Alors attendez. Netteté, hop, je baisse un poil et je diminue un petit peu le contraste et la luminosité. Vous allez me dire si c'est pas mal. Bon, là, est-ce que ça vous convient? merci Laurent. Alors voilà, j'épingle le lien dans le haut du chat qui a été remis par l'ami Laurent Duroc. Voilà. Coucou Walid qui a écouté Flashlight 3 fois aujourd'hui. Ben mince, merci beaucoup. On s'en fout, envoie la sauce. Fallait pas me le dire 2 fois. Donc c'est bon, vous avez tout téléchargé, vous avez eu le temps de le télécharger. Et puis de toute manière, comme il y aura le replay, vous aurez le temps de l'écouter et de le faire un petit peu plus tard. Alors comment est-ce qu'on va organiser un petit peu notre session d'aujourd'hui? Eh bien c'est bien simple. On va avoir tout simplement eh bien, des leaks qui figurent à l'intérieur du pack. Alors on va ouvrir le pack. Hein, tranquillement pour constater qu'il y a donc 2 MP3. Voilà. 2 MP3, un standard dont on va se servir aujourd'hui pour répéter un petit peu les phrases dont on va parler aujourd'hui, et un plus long. Voilà, un plus long pour tout simplement, eh bien, si vous voulez les enchaîner ou jammer, eh ben, c'est pas compliqué. Vous avez ensuite des MP3 avec 5 leaks. Voilà, vous avez 5 phrases. Aujourd'hui, on va travailler 5 phrases ensemble avec à l'intérieur quelques petites choses à dire pour l'expressivité bluesy, hein, dirons-nous. Chaque phrase, si vous ouvrez la partoche, qui est au format Guitar Pro 7, 6, 5 et PDF, pour ceux qui n'ont pas de logiciel, tout simplement pour lire les tablatures, eh bien, vous avez une phrase par ligne. Voilà, c'est tout simple. Au niveau de la répartition graphique, vous avez une phrase par ligne, un exercice par ligne. D'accord? Donc là, en l'occurrence, eh bien, on va avoir donc une phrase qui se divise en 4 mesures qu'on va répéter 4 fois. Alors, avant de continuer, je vais déjà vous faire écouter, les amis, le backing track. Le backing track court. Voilà, juste BT. Dans le pack. On va l'écouter ensemble tout de suite. C'est parti. Voilà ce sur quoi on va jouer ce soir, en version courte. Voilà, donc là vous avez entendu qu'on a 4 fois la même chose, un petit cycle en la mineur, donc la tonalité mineure, c'est... Voilà, c'est toujours du la mineur, hein. Et du coup, eh bien, on va jouer par-dessus ce backing track-là, eh bien, des phrases dont chacune est rejouée avec un MP3 individuel, eh bien dans le pack. Voilà. Si vous voulez bosser la première ligne, vous écoutez le premier leak, voilà, et vous essayez de le bosser, tout simplement. Alors le premier leak, eh ben, je vous propose d'entamer tout ça tout de suite. Le voici, le premier leak. Alors, ce premier leak-là, il est aéré et simple. Coucou James Osterberg, bienvenue. Voilà, bienvenue. Voilà, comme le dit Romain, on est en la mineur. Hein. Voilà. Donc notre premier lick, bah voilà, on va faire comme si vous étiez en train d'écouter le premier MP3, le premier exemple. On l'écoute ensemble. C'est parti. Ah, je me suis trompé, j'ai ouvert deux phrases en même temps. Excusez-moi. Donc je recommence. Voici le lick 1. Désolé.
Voilà, donc là vous avez entendu que ce backing track là, le court, celui où il y a juste indiqué BT, eh bien c'est toujours la même chose et il est là pour vous faire un petit peu répéter la même phrase tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok? En tout cas, ce lick là, vous allez le répéter 4 fois sur le premier backing track. Et évidemment, sur le second, eh ben l'intérêt, ça va être de pouvoir rejouer les phrases, mais qui seront colorées par le changement d'accord du backing track qui est plus long. Vous voyez un petit peu le truc? Je vais vous les rejouer les phrases et vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Oups. Et là, ça n'a pas la même couleur. Hein. Et ainsi de suite, voilà. Là, vous voyez, le backing track est plus long. Vous pouvez continuer d'improviser si vous le souhaitez sur le backing track long. Donc vous avez entendu un petit peu le principe. On va bosser des phrases qui vont avoir une couleur qui change en fonction eh bien, de l'accord et de la grille qu'il y a derrière. Donc là, notre phrase, je coupe mon delay. Hein. Zen Master, c'est mon delay Highlight, Elena. Je le remonte encore hein, parce que parmi vous, il y en a certains qui aiment bien ce delay, bah tant mieux. Voilà, c'est mon highlight, Elena, tout simplement. Alors que je remercie JM en guitare pour son don. Merci, merci infiniment. C'est super gentil, JM. Merci beaucoup. Et Franck, voilà. Franck, merci infiniment pour ton don, Franck. C'est super gentil. Merci beaucoup. Voilà, c'est super cool. Alors du coup, cette phrase-là, eh bien, on va tout simplement se la jouer un petit peu BB King au début avec notre tonique de La, case 17, qu'on va slider vers les graves. Voilà, là vous voyez, c'est tout simple. Hein. Voilà, je vous rappelle que le gain de ma MK3, il est à 0. Voilà, donc là, vous n'hésitez pas. Peut-être même à rajouter un petit peu au niveau de l'expressivité, on commence tout de suite, ce qu'on appelle un rake. Vous voyez, vous étalez les doigts sur les cordes juste avant la case 17, hein, qui est un La, et vous faites un bruit de note morte. Moi, j'ai le petit doigt comme ça qui appuie sur la corde, et les deux autres. Voilà, hein, ils servent à faire les notes mortes, voyez-vous. Voilà, alors pourquoi deux doigts? Parce que si j'en mets qu'un seul, je risque de faire des harmoniques. Alors que voilà, deux doigts sur les cordes. Eh ben, on évite de faire des harmoniques. Vous voyez un petit peu? Donc là, en fait, notre petit La, on va le slider. Voilà, vous pouvez rajouter donc des notes mortes. Ça va donner encore plus d'énergie, si vous voulez. Et là, on va venir sur notre pentatonique case 5, on la connaît tous. Voilà. Ok, donc notre pentatonique, hein, je la rappelle. Hein. Ok, donc là, en l'occurrence, on va slider pour venir descendre jusqu'à cette position-là. Et il faudra bien faire attention à respecter le silence qui est ici, voyez. Vous voyez un petit peu le truc? Donc là, je vous fais la petite descente de gamme avec deux pull-offs. Ça, c'est pas bien compliqué. Voilà. Ensuite, on va faire un petit slide aller-retour, si je puis dire, sur la blue note. On commence déjà à mettre cette fameuse blue note qui est une quinte bémol dans la gamme pentatonique. Alors, une gamme pentatonique, c'est une gamme à 5 notes, mais quand on rajoute une quinte bémol, la blue note, ça devient la gamme de blues. Donc voici la gamme pentatonique normale. Et
Et voilà la gamme de blues avec la Blue Note. Vous voyez un petit peu? Donc là, ça rajoute un chromatisme qui donne pas mal de feeling. Vous voyez un petit peu ça pour l'expressivité, c'est quand même extrêmement efficace. Donc cette case 8 qui est out, qui est en dehors de la gamme Pinta, et ben c'est une quinte bémol, c'est une blue note. Ok? Donc je vous répète très lentement. Ok? Donc là je vous le répète, le cœur de la phrase qui est là, parce que votre slide. Bah, vous le réussirez, hein, c'est fatal. Hein. Coucou Cyril, comment vas-tu? Donc je vous rappelle vraiment le cœur de cette phrase-là. Vous voyez là, hein, vous slidez avec l'annulaire. Assez rapidement, pour donner quand même une petite impression véloce, sans forcément être rapide. Ou shredas, vous voyez un petit peu le truc. Mais juste un petit peu quelque chose de véloce. Vous slidez avec vibrez avec l'index, pardon. Ensuite, pull off sur le sol pour revenir sur le la. N'hésitez pas à vous mettre en micro-manche avec véritablement peu de gain. Très, très, très peu de gain. Là, j'ai avec la MK3, avec le gain à zéro quand même, une sorte de gros crunch. Voilà. Voilà, mais j'entends quand même le rebondi des micros, voilà, et des cordes. Je peux même baisser un peu le volume. Voilà, là je suis presque en acoustique, mais si vous voulez, bah, le blues clean, c'est un peu comme ça. Donc il ne faut pas hésiter à répéter et répéter encore cette phrase-là, notamment 4 fois avec notre backing track. Je remets mon delay et je vous le joue. Voilà, ce premier backing track là est un backing track totalement dédié au fait de répéter la phrase encore et encore, mais que celle-ci comme les autres qui viendront par la suite, eh bien on pourra les insérer dans notre jeu. Alors que Nico me pose une question, quelle est la grille d'accord du backing track? Alors le backing track court, c'est que du la. Merci Julien qui dit que c'est un super live, merci beaucoup. Mais sinon, la grille, eh bien la grille du backing track, on va la voir ensemble, c'est parti. La mineure. Bah voilà, Brice Lee, il a donné la grille. Ré mineur. Retour à la mineure. Mi mineur, Ré mineur, La mineur, et un petit coup de Mi.
Oui, donc, comme vous le dites, c'est une grille de blues mineur sur laquelle on peut eh bien, jouer et improviser sur la gamme pentatonique de la, la gamme de blues de la et la gamme mineure naturelle de la. Vous voyez un petit peu? Donc, si j'essaye d'insérer cette phrase-là, par exemple, à l'intérieur d'une improvisation toute simple, eh bien, ça donne ça. Là, je suis un petit peu en pentatonique. Vous avez entendu le potentiel de cette phrase-là. L'important, en fait, c'est ce silence-là. Le silence dans le blues, c'est quand même très très important parce que ça permet de poser aussi quelque chose, de poser un petit peu le décor. Vous voyez? Il y a Tom qui dit, tu m'as perdu. Où est-ce que je t'ai perdu, Tom? Où t'ai-je perdu? Le la mineur harmo, oui, ça peut, le la mineur harmo. Quand on fait un petit retour sur le mi mineur, on peut le majorer et du coup la tierce majeure de l'accord de mi mineur devient la septième majeure de la mineure harmonique. Voilà. C'est un petit peu hardcore, peut-être comme explication théorique. Mais quand je suis parti en impro, je t'ai perdu, Tom. Bah voilà, je voulais pas perdre, je voulais juste insérer le lick 1 dans une impro. Voilà, tout simplement, je voulais vous montrer que c'est une phrase qui est toujours aussi efficace, voilà, quel que soit le contexte dans lequel on la met. Voilà, vous voyez un petit peu dans la grille comment elle s'insère cette phrase-là. Elle est très très agréable. Donc là, en fait, je vous la répète sans delay et sans délai, tout de suite, très lentement. Donc, allez, on récapitule. Petit doigt avec deux doigts en ré, si vous voulez. C'est pas indiqué là, hein, mais c'est un petit bonus expressif. Hein. On a dit qu'on parlait d'expressivité. Voilà. Ça, c'est typique de B.B. King. Antoine qui me demande de réexpliquer le truc avec les tierces que j'ai dit à l'instant. Pas de souci. Dans la grille, il y a la mineure, ré mineur, la mineure. Ensuite, on a mi mineur, ré mineur, la mineure. Et à un moment, on a un retour sur le mi mineur, mais qu'on peut majorer. Et la tierce majeure de l'accord de mi majeur devient la septième majeure du mode de la mineure harmonique. Et après on vient résoudre. Voilà. Julien qui dit c'est les mêmes notes que la tab joue et faites-vous plaisir. Je ne vous comprends pas. Voilà. Pardon. Donc, alors. Ensuite, notre petit silence qui est important. Notre petite descente, le cœur de la phrase. Donc ça, on va le scinder. Et là, une fois qu'on est là, on ne va pas changer de doigt.
On va chasser sur la Blue Note. Merci, Brizzly. Ensuite, on vient suspendre sur le Do, case 5. On fait un petit pull-off pour meubler entre le La et le Sol. Et on vient résoudre en La. De rien, Hugo, qui dit que l'explication est claire. Bah, mais oui, c'est clair. Merci, oui, ça veut dire. Donc voilà, plus de questions sur cette phrase numéro 1. On peut passer à la numéro 2. Pendant ce temps-là, je regarde si j'ai éventuellement des personnes à remercier pour un ch'tiodon ou pas. Et oui, vous êtes vraiment trop gentils. Thierry l'ours, comme d'habitude, merci infiniment Thierry, merci à toi, trop cool. Anthony Damien, merci Anto, merci, c'est trop gentil, super cool, merci les gars. Alors, phrase numéro 2, allez. C'est la Gaël qui... Non, moi, désolé, hein, mais... Je réponds pas quand c'est écrit en mage exprès pour que je le vois. Désolé. Donc, salut Junior de Metz. Bah, ça va. Echo Charlie qui dit, tu me scotches la petite impro, la popopo. Bah, merci, c'est tout simple. Alors, deuxième phrase. Eh bien, on l'écoute. C'est parti. Comme quand vous serez hors live, vous aurez le MP3 avec le leak numéro 2 qui sonne comme ça. C'est parti. Voilà, troisième fois, on la répète exprès. Et la quatrième. Voilà, impeccable. Donc là, vous entendez que notre silence est comblé par une sorte de gros vibrato pendant que je réponds à Julien. On fait comment pour faire un don? Eh bien, tu peux flasher. Ici, le lien qui est ici, sous forme de flashcode, où il y a un lien dans la description. Voilà. Je rappelle que ce sont des dons via PayPal et que Google ne prend rien dessus. Voilà. La mainmise de Google qui prend 40% des revenus des chats et tout ça, machin, et des dons et tout. Eh bien, ils peuvent se gratter. Voilà. Tout ce moindre centime que vous aurez la gentillesse de me donner ce soir sera pour moi, pour que je puisse continuer à encore donner des cours sur la chaîne. Voilà. Celle-là, Gaël. Non, bah, c'était pas fait exprès, bah, pas de souci. Du coup, je réponds à ta question sur le Floyd. Moi, j'ai pas un Floyd flottant. Donc, moi, je peux pas tirer vers l'arrière. Donc, je fais le petit slide. Et quand tu blues, en général, t'as pas un Floyd. Voilà. Voilà, donc... Et du coup, voilà. Donc, notre phrase, elle est là. D'après certains d'entre vous dans le chat, elle serait éventuellement plus simple. La simplicité pour les uns et la difficulté des autres. Donc... Est-ce qu'une phrase peut être considérée comme plus ou moins simple? Je ne sais pas. En tout cas, là, il va y avoir un petit barré index à faire pour faire ce qu'on appelle donc un double stop. C'est-à-dire qu'on va avoir la même case sur deux cordes différentes. Donc... Ok, donc on fait notre bend avec majeur et annulaire. Voilà. Alors qu'il y a une question de Jo-Guillaume, enfin Sébastien Janssen. Est-ce qu'en blues, on peut utiliser le palm mute? Regarde. Quand le palm mute est relativement soft, moi je trouve que tous les outils sont bons pour pouvoir s'exprimer justement.
Voilà, c'est très très bluesy, peut-être un petit peu plus énervé. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, oui, on peut utiliser le palm mute pour pouvoir tout simplement eh bien, changer ses expressivités. Donc là, en fait, on est terriblement en mode résolution sur le La, case 10. On va les slider à partir de la case 8. Là, c'est pas forcément indiqué sur le slide, mais on va prendre la case qui tombe dans la gamme. Mais pas de soucis, Seb. Donc, rockez bien, pivotez bien l'index. On peut aussi faire sonner les notes en résonance. Voilà, c'est un choix. Voilà. Voilà, moi j'ai tendance à un petit peu les jouer séparément et à les jouer très très propre. Oui, c'est tout à fait un plan à la Chuck Berry. Voilà, c'est très Chuck Berry. Ah, mais ce micro, comment il claque, c'est un truc de malade. Ah là là, je suis fan de ces micros Epcat, pardon. Junior qui dit nickel les exos avec les explications. Bah merci. Alors vis-à-vis du plan Gilmour, Christophe, ça reste quand même du grand classique, sauf que sur le plan Gilmour, voilà, on a quand même un slide pour venir. De toute manière, que ce soit Gilmour ou quiconque, même Angus, hein. Voilà, tout ça, ça vient du blues, hein. Ça peut paraître un petit peu cliché de dire ça, mais toutes ces musiques-là viennent du blues. Donc là, notre phrase, la voici. Travaillez bien votre la. Voilà, travaillez-le. Vibrez-le. La subtilité, en fait, du son d'une note quand on travaille son bend. Son vibrato, pardon. Vous entendez un petit peu cette résonance? Même si on n'attaque pas la note, on peut avoir des petites subtilités de dynamique quand on n'a pas trop de gain. Eh bien, on peut tout à fait jouer des notes qui ont beaucoup moins de volume que les autres. Par exemple. Voilà, ça, c'est un lick à la B.B. King, un lick descendant. Et eh bien les dernières notes, je les joue même pas, je ne fais que là. Que les suggérer, en fait. Voilà, des fois je choisis d'attaquer ou pas. Voilà, donc ça c'est assez important. Et du coup on va avoir donc la fin de la phrase qui va être un hammer tout simple, mais substitutif en termes de doigts. Index annulaire, et moi je mets le majeur pour le La. Voilà. Oui, ça c'est un grand classique, que ce soit chez Lynyrd Skynyrd, ou un petit peu partout, ZZ Top. Hein. Voilà. Donc, Jojo qui dit, as-tu essayé le jeu au doigt? Eh ben, je vous prévois une petite vidéo gratuite prochaine sur la chaîne pour vous parler d'un super effet de jeu pour le blues au doigt. Restez scotché et abonnez-vous, hein. Clique sur la cloche, tout ça machin. Mais voilà, je vous réserve une petite vidéo prochainement sur un effet de jeu qui va bouleverser votre blues traditionnel. Et je pèse mes mots. Voilà, c'est un effet de jeu que j'utilise depuis pas longtemps et je peux vous garantir qu'il coûte pas cher. Mais alors par contre, qu'est-ce qu'il arrache? C'est une tuerie. Donc, là, on est donc sur notre phrase, et je vous la répète. Voilà, je vous la joue en contexte, avec le backing track court. Hop, voilà, c'est parti.
Voilà, et maintenant je vais tout simplement vous la rejouer avec le backing track plus long pour entendre la grille derrière. C'est parti! Et là on va aller sur le Ré mineur. On peut changer de note. On peut même rajouter la première phrase, c'est parti. On peut baisser un petit peu les octaves aussi, hein. Voilà. Voyez un petit peu le potentiel qui se dégage de ces phrases-là. Il ne faut pas que vous hésitiez à vous en servir vous-même et à les mâcher, les mâcher, les mâcher, jusqu'à les posséder, tout simplement. Les posséder dans vos doigts. Avant de passer au lick numéro 3, voilà, je vous rappelle pour les nouveaux venus que si vous voulez soutenir un petit peu les cours gratuits, sur ma chaîne, et ben vous pouvez faire un petit don, voilà, en flashant ici, si vous avez un ou deux balles qui traînent, ou alors dans le lien qu'il y a dans la description, quelque chose que Google ne touchera absolument pas. Voilà. Ça, c'est cool si vous le faites. Si vous ne le faites pas, et ben j'espère que vous kiffez. On va entamer le lick numéro 3 et je vais peut-être donner quelques petits remerciements supplémentaires. J'aime bien remercier, voilà, tout simplement, je trouve ça normal. Louis Aemig, merci à nouveau, Louis, tu es un habitué. Merci beaucoup. Romain Garnero, merci Romain. Merci, c'est sympa. C'est vraiment très très gentil. Laurent Watercamps, encore, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Maxime Levert, merci Maxime, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Benjamin Aparicio, merci Benjamin, merci Benj. C'est très gentil. Et Julien Laveau. Merci beaucoup, les gars. C'est très, très cool. Allez, on passe au lick numéro 3. Après vous avoir remercié, voici un lick qui paraît pas comme ça, qui a l'air d'avoir pas une tonne de notes, mais qui va un petit peu nous demander de l'attention en termes de placement. Alors, c'est parti. On écoute le lick numéro 3 avec le backing track court. Vous entendez le placement? Je l'harmonise, tiens. Voilà, donc là en fait, il a un petit placement un peu particulier avec des notes qui sont très très piquées, vous voyez. Donc je vous le rejoue avec le backing track court, à mon tour, c'est parti. Non, oui, voilà. Un bend d'un ton et un d'un ton et demi. Pas hésiter à claquer les notes, hein. Voilà. Donc là, en fait, cette phrase-là va être très très découpée, très très hachée. Et merci Mr. Stone Brown qui dit que ce bend d'un ton et demi est cool. En fait, le truc, c'est que voilà, on va avoir un bend d'un ton et demi qu'on va revenir attaquer ici à son statut initial, c'est-à-dire la case 17, à savoir un mi. Donc là, en fait, le premier bend à la case 15, bah, il n'est pas très très mystérieux, on va tout simplement sur un mi. Hein. Voilà, j'enlève mon delay. Et là, du coup, on va avoir un bend dont on n'entend que la phase ascendante, donc 3 cases. Faut que ce soit l'équivalent de la case 20.
Voilà. Et on le coupe dès qu'il atteint la note. On mute avec la main droite la corde lorsqu'on la redescend pour jouer la case 17, le Mi, à son statut initial. Donc je vous le refais lentement. Vous voyez, hein, quand je mute la corde à droite, je peux la bouger. Ça n'a absolument aucune importance. Younes Grandjean, hello. Hello, hello. Donc là, en l'occurrence, ce bend d'un ton et demi, donc équivaut à la case 20, qui est un sol. Et on va staccato, on va jouer un petit peu staccato les notes. JM en guitare qui dit harmoniquement ce bend d'un ton et demi, ça donne quoi? Bah ça donne juste une note objectif, hein, un sol. Voilà, sur un accord de la. Eh ben, il n'y a pas de sol particulièrement. On va dire que le sol, c'est une septième mineure. Voilà, ça donne une septième mineure. Donc, ça n'a pas grande importance dans la corde. À moins qu'on joue la corde de la mineure 7 avec un sol dedans. Voilà. Mais par contre, ce n'est pas déterminant dans le feeling JM en guitare. Donc là, en l'occurrence, on va avoir et des notes très très piquées, très staccato. Voilà, n'hésitez pas à bien tataner les notes, à bien leur rentrer dedans. Mais c'est vraiment important comme pour l'expressivité, le fait de donner une différente énergie aux notes. Ça paraît bête, mais si on le jouait sans énergie, on aurait. Ce serait plat, quoi, en fait. Vous voyez, là, j'attaque mes notes normalement. J'ai vraiment très peu de gain. Je suis en crunch, là, vous voyez. Donc là. J'attaque mes notes à peu près normalement. Voilà. Et non, Didier, c'est pas sur la même corde la dernière. C'est sur la case 14 de la corde de sol. Et du coup, voilà, vous avez le staccato qui permet d'avoir quelque chose de très très énergique et voilà, qui vous permet de vous exprimer avec énergie, avec quelque chose qui claque. Voilà. Voilà, donc de ce côté-là, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est important de bien claquer les notes. Voilà, ça c'est important pour l'expressivité. Voilà, c'est pas une phrase très très compliquée, mais à nouveau, elle a une autre couleur avec la grille. C'est parti avec le backing track plus long et le delay, bien sûr.
Voyez un petit peu comment on insère un petit peu ce genre d'effet de jeu dans le blues. C'est quand même très très sympa hein, de pouvoir un petit peu dynamiser les choses sans forcément aller trop vite. La dynamique, c'est pas la rapidité, hein. La dynamique, c'est la variation de votre énergie de jeu, vous voyez. Voilà, ça c'est vraiment très 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 cool de pas mettre une blinde de gain pour tout simplement. Voilà, pouvoir un petit peu comment dire, interpréter les choses. Voilà. Oui, je sais, oui, j'ai vu, il y a Younes Grandjean, ouais, c'est stylé. J'essaye de pas trop y penser, sinon je vais avoir des roustons microscopiques. C'est déjà hallucinant de le voir dans un de mes chats, mais bon voilà. Donc, leak numéro 4, les amis. Évidemment, là, il n'y a que les tablatures en bas, mais il y aura beaucoup plus d'informations sur la partie solfège des partitions. Voilà. Alors, hop, voilà. Là, on va commencer un tout petit peu à bosser des trucs sympas. Voilà. Les deux derniers leaks qui sont un tout petit poil plus compliqués. Voilà. Bye bye, Christophe Watanabe. Voilà. On va l'écouter, tout simplement, cette phrase numéro 4. C'est parti. Voilà, donc vous avez entendu à nouveau quatre fois la même phrase, et là quelque chose d'intéressant, dans le sens où à partir de la carte, on va tout simplement jouer un chromatisme. Voilà, un chromatisme jusqu'à la quinte. Voilà, un chromatisme de la carte jusqu'à la quinte. Et ensuite un petit barré sur la case 8 avec l'index, et là, un bend du La aussi. Donc je vous le joue, hein, je vais vous jouer cette phrase-là. Avec le backing track, c'est parti! Encore deux fois. Voilà, comme le dit à l'instant Mr. Stone Brown, avec ce bend d'un ton, on sort de la pentatonique standard pour aller sur tout à fait la gamme de la mineur naturelle avec un si qui ne fait pas partie de la gamme pentatonique normale, entre guillemets standard, parce qu'il s'agit d'un des deux degrés qui manque à la gamme pentatonique, c'est-à-dire une sixte. Voilà, une pentatonique, c'est une gamme mineure naturelle moins la seconde et moins la sixte. Donc là, en fait, Echo Charlie est en train de lancer un débat. Il dit, alors, faut-il avoir de la vélocité pour pouvoir avoir de l'expressivité? Je pense qu'il en faut une certaine quantité pour pouvoir faire ce qui nous passe par la tête en musique, quoi, si vous voulez. Les gros bends, pas facile. Alors là, petit exercice, à la place d'un bend d'un ton, on peut essayer d'atterrir sur le Do avec un bend d'un ton et demi. Et là, ça change la figure de la phrase. Vous voyez? Donc. Et moi, je m'entraîne à faire un petit peu des bends à plusieurs étages. Voilà, vous voyez, avec
une seule case, entre guillemets, j'essaye de faire trois notes différentes. Voilà. Justine qui me demande comment fais-tu pour jouer un bend sans faire sonner les cordes du dessus? Eh ben, je les bloque en butée avec un retour médiator. Là, tu vois, j'ai mon bend et j'ai le médiator sur la corde de sol. Tout simplement. Voilà. Donc là, en l'occurrence, si je voulais jouer un petit peu sur le backing track en blues mineur standard avec des bends à plusieurs étages, ça donnerait ça. Alors j'exagère un petit peu le trait, hein. Mais voyez que le style, en fin de compte, est la résultante de plusieurs effets de jeu plus ou moins assumés chez les uns et chez les autres, bien entendu. Et du coup, moi je peux aussi, si vous voulez, bah, vous faire d'autres lives avec, avec plein d'effets de jeu comme ça. Enfin, moi je suis super partant, hein. Il n'y a aucun souci avec... Un infini plaisir. Donc là, en fait, ce lick numéro 4 eh bien, se joue sur trois positions de pentatonique différentes. Donc sur la première, la deuxième et la cinquième. Voilà. Donc là, voilà comment ça se joue. Donc chromatisme, je cut mon delay. Donc chromatisme, index majeur annulaire de la carte quinte bémol quinte. Voilà. Salut Wolf 980, 974. Et là, je vais amener l'index pour le mini barré case 8. Voilà. Et là, je vais m'apprêter avec l'annulaire à faire le bend d'un ton. Vous pouvez marquer un petit silence. Oups. Voilà, position numéro 2. Ensuite là, c'est un slide qui vient des aigus. Regardez donc son orientation à ce petit slide. Il a la petite queue de gauche vers le haut. Voilà, sans mauvais jeu de mots, ça veut dire que c'est un slide qui vient des aigus. Alors que par exemple, sur notre lick numéro 1, eh bien on avait les deux types de slides. Quand on vient des graves, c'est un slide orienté comme ça. Et quand on vient des aigus, c'est un slide orienté comme ça. Bye bye Emmanuel. Donc là, vous voyez un petit peu la différence d'orientation des slides. C'est très important parce que ce n'est pas du tout la même expressivité, la direction native d'un slide. Donc là, en l'occurrence... Voilà, on va se mettre directement en position de jouer le Do case 5. On va slider depuis le Mi case 9. Ensuite, on vient à la position numéro 5 à l'octave inférieure sur Do, Ré, Mi. Do, Ré, là, pardon. Voilà, cette phrase-là, on n'est obligé, pas obligé de la jouer à blinde, on peut la jouer très subtilement. Voilà. Tranquillement, voilà. Il faut aussi souscrire un petit peu à la guitare, des fois, au bruitage. Thank you.
Ah là, vous voyez, vous entendez un petit peu le son de la guitare, en fait. C'est joli, moi j'adore le son de la guitare. Ça peut paraître bête, mais même ça. Moi, je trouve ça joli, quoi. Le son des cordes graves avec le micro-manche, vous savez. Évidemment, quand on a des micros de salaud comme ça, les Epcat, évidemment, ça arrache terriblement. Mais voilà, donc là, en fait, oui, allez, Mister Bulldozer. Je ne sais pas si Patrick était au courant que le feeling, bah, il n'y avait pas forcément besoin de faire de l'aller-retour. Non, non, je savais pas. J'attends des guests pour les Je savais pas. J'attends des guests. Donc pas de particulièrement de questions sur cette phrase numéro 4. Alors que je remercie pour leur don. Eh bien, Bruno Issanchou, merci infiniment Bruno, c'est très très gentil à toi. Merci beaucoup. Nico Siaka, tu es fou. Faudrait que t'arrêtes toi un jour. Stop, hein, Nico, stop. Anne Bierry, merci Anne. Merci infiniment Anne, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Et Simon Lefebvre, merci Simon. C'est trop cool, vous êtes vraiment trop cool. Donc, plus de questions sur cette phrase-là. Oui, il y a Rémige qui va me faire un guest. De toute manière, je te demanderai à plein de personnes de me faire des guests. Il y a Michel Païs qui demande, excuse Nono, tu peux me faire voir au ralenti le slide 7-5. Tout à fait, je recommence tranquillement la phrase. Voilà ce slide, le slide annulaire case 9. Et je place déjà les doigts. Regardez, je place les doigts pour pouvoir faire le pull-off sur le do case 5. Et ensuite, je viens rejouer un ré case 7 bien claqué. Ensuite, voilà, ça c'est tout simple, hein. Le hammer du do au ré à la fin et la petite case 5, corde demi-grave qui est un la. Voilà, ça c'est pas la mort. C'est vrai que le slide, voilà, c'est quelque chose qui est assez laser, hein, qui est assez, assez énergique, hein, un slide. Voilà. Plus de questions sur cette phrase 4, les amis. Et là, du coup, on va attaquer le main dish. Voilà. La phrase 5. Alex de Groutola qui dit ça nique bien les doigts. Tu parles du slide, Alex. Essaye de pas trop trop appuyer sur ta corde. Voilà. Essaye de pas trop appuyer sur ta corde, sinon tu vas te scier le doigt. T'es pas obligé d'appuyer comme un bourrin. Hein. Au bout d'un moment, tu finiras par avoir l'habitude de slide. Thomas qui dit bonsoir, c'est un pote fan de Younes Grandjean qui m'a dit de venir voir la leçon. Bah bienvenue, hein. Que ce soit Younes, que ce soit vous tous, n'importe qui est bienvenu, voilà. Il n'y a pas de souci, voilà. Voilà, il n'y a aucun problème. Tu savais, Patrick, que il y avait Younes ici? Non, non, je savais pas. Voilà. Mais tu sais, Younes, le joueur de guitare, quand même, un joueur de guitare bien balèze, quand même. Non, non, puis la guitare, c'est pas mon truc, non. Voilà. Eh bien, figurez-vous que voilà, je suis content. Je suis content, eh ben, peut-être, eh ben, d'avoir des gros patrons en guitare qui viennent peut-être voir les lives. Ça veut dire que c'est cool, ça veut dire que la communauté, elle est cool. Voilà, c'est sympa. Voilà.
Donc voilà, la dernière phrase, et là les gars, il va falloir manger ces Frosties vitaminées, parce que elle n'est pas super super méga compliquée, mais c'est la plus complexe de ce soir. Il en faut toujours une, faut toujours un exemple, toujours un exercice qui soit un petit peu balèze pour voir un tout petit peu plus loin. Voilà, en tout cas, en termes techniques. On l'écoute, c'est parti. Voilà, alors même s'il vous paraît un petit peu plus complexe que les autres et un petit peu casse-doigt, il n'en est rien, vous allez voir que c'est un run très classique dans le blues rock, voilà. Pophug qui dit bordel, trop de cordes, j'ai bien fait de faire de la basse. Eh ben toi, tu as une grande longueur de manche à la basse, donc nous on a bien fait de faire de la guitare. Donc voilà un petit peu avec mon delay. Comment, à quoi ressemble cette phrase? C'est parti. Voilà. Et oui, Younes, il y a Patrick ici en incrustation. Et tu es le bienvenu pour me faire un je savais pas. Voilà, Younes. Avec plaisir. Patrick, est-ce que tu savais que Younes allait me faire un je savais pas? Non, non, je savais pas. Voilà. Younes, l'appel est lancé. neogeofanatique@hotmail.fr pour m'envoyer ta vidéo de je savais pas. Donc voilà, la phrase. Elle ressemble à ça. Évidemment, on reste en pur pentatonique. Voilà. Et du coup, on est véritablement dans quelque chose qui doit rester fluide. Voilà. Voilà. Il y a une petite nuance qui va se situer à peu près ici, hein. Vous avez peut-être un petit peu vu et entendu que c'est pas un bend normal. Donc là, on va reprendre nos trois notes de l'exercice numéro 2. Voilà, notre double stop. J'explique la phrase, je coupe mon delay. Ok. Et là, on est en double croche. Hein. En double croche à 105. Ok, donc en fin de compte, pour bosser votre phrase, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter une note à la fois. Ok, là on en est à la troisième. Petit pull-off. Et vous la prenez comme ça. Apprenez-la avec une note à la fois. Vous en rajoutez une à chaque fois. Ah, là, vous voyez ici, il y a un slide qui est un petit peu casse-noisette. D'accord. Pop-up qui dit un plaisir de te regarder, Néo. Merci infiniment, c'est très très gentil, Pop. Donc là, vous voyez, là, il y a encore un slide avec la petite queue de gauche vers le haut. Ça veut dire qu'il vient des aigus. Donc. Donc là, pour l'instant, on reste en pentatonique position 1. Hein.
Cyril, je joue en économie, hein. Je le joue pas en aller-retour. Voilà, regarde bien mes sens d'attaque. Voilà. Et par contre, des fois, j'utilise les doigts de la main droite en picking. Voilà, j'utilise les doigts de la main droite en picking. Voilà, j'utilise pas mal de chicken picking. Voilà, donc là, lentement. Voyez un petit peu ce slide. Ok, donc cette phrase-là, pas compliquée, on vient suspendre en do. Ah non, mais là, il n'y en a pas dans la phrase de chicken, hein, là, Cyril, hein, t'inquiète pas. Là, il n'y en a pas. C'est juste que je donnais un exemple. Un exemple que moi, j'utilise le chicken. Comment faire pour éviter que le son dégueule sur les mini-barrés? Eh ben, je t'ai déjà montré tout à l'heure, Lionel, il faut sélectionner ses pressions et orienter l'index. Voilà, intervalle de carte. Il faut être bien bien détaillé. On ne veut pas entendre ça. On veut entendre. Voilà, moi pendant que je bend avec majeur et annulaire, oui, j'ai l'index qui se tient prêt. Et ensuite je rock. J'oriente. Et là, ici, dernière épreuve, un pré-bend d'un ton. Le pré-bend, c'est le fait d'estimer la force de son bend pour pouvoir déjà atteindre la valeur d'un mi case 9 et être pile dessus. C'est un bend dont on n'entend pas la phase montante. Voilà. Et on entend que la phase descendante. Donc, avec l'habitude des bends, vous finirez par estimer proprement et correctement la valeur à l'avance d'un bend. Et si vous êtes vraiment très habitué, vous le ferez aussi avec des bends de plus d'un ton. Voilà, et tout ça normalement ça devrait être juste, mélodieux et véritablement précis, vous voyez. Et ça c'est véritablement quelque chose que je travaille. Allez, je provoque le destin. À quand un featuring avec Younes Grandjean? Ben écoute, Patrick, est-ce que tu savais qu'il y a quelqu'un qui veut un featuring avec Younes? Non, je peux pas te laisser dire ça. Donc là, vous voyez un petit peu l'intérêt des bends au niveau expressivité. Là, c'est juste mortel. Voilà, c'est juste mortel. Voilà, donc je vous rejoue avec le delay. La phrase, hop, bim, avec le backing track, bien entendu. C'est parti, il faut la jouer 4 fois pour véritablement bien être à l'aise.
Voilà, donc vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on peut agrémenter cette phrase, essayer de tourner un petit peu autour, les amis. C'est quelque chose qui est véritablement expressif. Quelque chose qui, même si ça a l'air d'être un petit peu une dégueulade de notes comme ça sur le papier, en tout cas sur la tablature, vous entendez qu'il n'en est rien et que c'est une phrase qui sonne de manière très très sympathique, vous voyez. Donc, moi, si jamais vous me demandiez, Nono, tu dois improviser un petit blues comme ça, tranquille, et tu dois essayer d'être un petit peu expressif. Qu'est-ce que tu nous ferais? Ah, j'essaierai de vous proposer quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est mortel quand le logiciel se déclenche pas. Justine qui me demande, tes cordes sont souples pour faire des bends, car rien qu'avec des cordes médium, j'ai plus de doigts. Je vous avoue que je commence à changer de tyran. Voilà. Là, je suis en 10-46. Voilà, je suis en 10-46, je mets un petit peu plus maintenant que du 9-46. J'ai envie maintenant, vous entendez, hein, d'avoir un impact, d'avoir acoustiquement quelque chose qui se passe. Voilà. Donc là, en gros, oui, je suis en train d'augmenter mes tirants. Je suis en train de me faire violence un petit peu partout. Smaïn qui dit merci pour les cours. Gratos, je viens d'arriver, je regarderai en replay. Bah, c'est très très gentil pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent soutenir. Les cours gratuits de la chaîne, vous pouvez faire un petit don si l'envie vous en prend. Voilà, avec ce flash code, les amis, qui est directement lié à PayPal, 0% à Google, rien du tout, tiens, Google, tiens, prends ça. Voilà, vous avez aussi le lien dans la description. Si vous voulez encore plus de cours gratos, eh ben, ça m'aide à vous en fournir encore plus avec des backing tracks préparés et puis des packs qui vont bien. Je vous rappelle aussi au passage que vous pouvez télécharger le pack gratuitement avec les tablatures, les exemples réenregistrés et les backing tracks avec le lien que nous a épinglé l'ami Laurent Duroc en haut du chat. Voilà, vous avez le lien pour pouvoir le télécharger gratuitement depuis mon site. Que voici, bim, voilà, neogeofanatique.fr, vous allez dans la rubrique téléchargement et vous téléchargez gratuitement le petit pack avec marqué Blues 1, parce que ce ne sera pas le premier, il y en aura plusieurs, il y aura plusieurs eh bien, cours sur le blues, plusieurs cours sur le tapping, la technique, l'impro, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de plein de trucs. Donc si jamais vous aviez commencé à suivre mes cours, sachez que ça va être au moins aussi intense. Voilà. Et c'est super cool. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont super bien accueilli eh bien, les rééditions de mes albums. Voilà, que ce soit Flashlight avec 150 nouveaux exemplaires. Voilà, dont la vidéo intégrale de l'album est en ligne depuis hier sur la chaîne. Et aussi le petit Welcome to Neo City qui est à nouveau à 300 exemplaires. Merci infiniment. Voilà, avec le soutien de Savarez. Voilà, merci à vous. Hein. Disponible aussi depuis mon site, vous pouvez envoyer un message avec le formulaire de contact et moi je vous réponds unitairement. Voilà, tout simplement. Alors donc, si je devais vous improviser quelque chose sur le backing track avec un petit peu d'expressivité, en tout cas j'essaye d'en avoir, ça me donnerait de ma part à peu près quelque chose comme ça. Ah oui, j'arrête parce qu'il y a juste une question. Mister Bulldozer qui dit oui, les albums, voilà, Welcome to Neo City est aussi disponible avec backing track et tablature pour un petit supplément, voilà. Tablature rythmique et solo. Voilà, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il y a les tablatures pour jouer, les rythmiques aussi, c'est important, et les solos. Voilà, bien sûr. Donc, voilà, bah, Nico Siaka, le tien est parti aujourd'hui. Nico, bien sûr. Allez, c'est parti, je lance la petite impro. Go!
Donc, j'étais en train de faire du caca. Excusez-moi. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce cours vous a plu. Sachez que, eh bien, moi, j'étais absolument ravi de passer ce moment avec vous. Et je vous rappelle que le prochain cours pour les membres, eh bien, il s'agit de réaliser une mélodie. Ça ne va pas forcément être quelque chose de très, 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 très éloigné de ce qu'on vient de faire. Mais faire une mélodie, réaliser une mélodie, comprendre ce que c'est qu'une mélodie à la guitare, pour essayer tout simplement, eh bien, d'expliquer les principes du deal, quoi. Donc, en tout cas, je vous donne rendez-vous, chers amis les membres, le 24 février. Et vous, les copains, en mode gratuit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme cours prochain? Ah, ça, c'est un truc à discuter un petit peu. Moi, je suis open pour vous faire plein de machins en cours gratos. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je finirai par fonctionner par un système de sondage. Voilà. Peut-être je vais lui demander aussi son avis à Patrick. Qu'est-ce que tu voudrais bosser à la guitare, toi, Patrick? Non, non, puis la guitare, c'est pas mon truc. T'es vraiment incurable, hein, l'ami Patrick. Bon, j'espère que vous avez bien aimé, les amis. Voilà. JM en guitare qui propose rythmique multistyle. Ça ne m'évoque pas grand-chose, mais peut-être un petit peu de rythmique. Ça vous dirait de la rythmique un petit peu la prochaine fois? Qu'est-ce que vous en pensez? Spécial Gary Moore. C'est pas bête tout ça. C'est pas bête. Je vais regarder un petit peu à nouveau dans le chat. À tête reposée pour me prendre un petit peu quelques idées et puis de toute manière je reviendrai vers vous une fois que le cours pour les membres sera passé, donc c'est la semaine prochaine le 24. Si vous voulez devenir membre, eh bien vous cliquez sur rejoindre avec plein de cours par mois. Maintenant j'accélère la cadence, plein de cours en live et en replay pour 3,99€ par mois les amis. Donc Vincent qui propose les riffs d'ADX. Ah, c'est pas bête du tout ça. C'est pas bête du tout. Des riffs que je taperais spécialement pour un live spécial ADX. Ça, c'est pas bête. Je pense que j'en mettrai un quand même. Riff speed metal, tiens. Ça, ce serait pas méchant, ça, comme truc. En tout cas, les membres, je vous donne rendez-vous mercredi de la semaine prochaine pour le cours sur les mélodies avec des règles simples et des exercices comme d'habitude avec un petit pack. Je vous remercie d'avoir suivi ce live, les amis. Merci infiniment à vous. Avant de quitter, peut-être que j'ai encore quelques personnes à remercier en direct. Et oui, tout à fait. Voilà. Je remercie, eh bien, Magali Dindin. Merci Magali. Merci infiniment Mag. C'est super gentil. Hossein Motara. Merci Hossein. Merci infiniment. C'est très gentil. Freville, je ne vois pas ton prénom. Jean-Michel. Jean-Michel, merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci infiniment. Je regarde, mais mon téléphone se met à jour. Et aussi, Michael Peruzotti. Merci infiniment à vous. Alex Desgroutola, JM en guitare. Mon Didier Sorbi. Debbie Blink. Nelly. Romain Garnero, Sébastien Janssen, Wolf 974, Cyril, Mister Bulldozer Ben, Christophe, Nostromo, Nico Siaka, Romain Garnero, Guitare Zero, Philo, Vincent, Epcat, donc Sully, merci à toi. Tu entends comme les micros ont sonné ce soir à nouveau. Je tombe sévèrement amoureux de ces full buckers. Voilà. Je suis ravi de ces full buckers que je trouve démentiels. Je vous fais plein de bisous, les copains. Et du coup, je laisse, bien entendu, eh bien, ce live en replay. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous donne rendez-vous à très très vite. Moi, je vais me préparer jeudi pour aller donner ma première master à la MAI. Voilà, j'en suis absolument fier. Et absolument ravi. Voilà, c'est trop cool. Putain, je vais donner une master à la MAI, quoi. Jeudi, c'est du délire. Voilà, je suis trop content.
Et puis, je fais la bise aussi à Younes Grandjean, qui est passé ici de manière sympathique, voilà. J'espère que je t'ai appris des choses à la guitare, Younes, parce que ton jeu, il laisse un petit peu à désirer. Amitié, Younes. Bonne soirée à toi, bonne soirée à vous tous. Des bisous. Et bonne guitare. Bye bye. Non, je savais pas.